103e ce matin. Comment tu as trouvé ce contre-la-montre? Un contre-la-montre qui n'était pas facile à aborder quand on va dans un sens et on revient dans l'autre. Ah, c'était pas facile à l'aller parce qu'on avait passé par la caisse, on roulait assez vite. Et puis après, on reprend, fallait tout mettre. Il y avait un piège, c'était pas tout mettre au début. Et puis on gardait ce pour la fin, c'est ce que j'ai fait. J'ai juste tenu la cadence au début, puis après, j'ai pas relancé. Et puis j'essaie de tout donner jusqu'à la fin. On dit souvent que la Pénarbet Junior Intermarché, que c'est un passage obligé pour aller un petit peu plus haut au niveau des comportements, au niveau professionnel. On a vu qu'à ce jour, il y a 9 coureurs qui sont passés professionnels parmi les détenteurs de victoire. Est-ce que c'est quelque chose qui déjà te trotte dans la tête par rapport à la performance de ce matin où on n'y pense pas du tout et on pensera déjà à faire une bonne étape cet après-midi? Ouais, bah déjà, je vais essayer de faire une bonne étape cet après-midi, mais après, non. Dans la famille Garnalec, on a. C'est vrai que le chrono, c'est une affaire de famille, j'ai envie de dire, parce que ton frère était l'un des tout meilleurs au niveau Bretagne. Tu es un petit peu sur ses traces. Est-ce que c'est quelques enseignements que tu as tirés par rapport à ses performances déjà acquises par le passé? Ouais, bah déjà, c'est mon frère qui m'a fait ma position sur le vélo, là. Après, il me donne plein de conseils. Comment entraîner. Enfin, j'ai Arthur Kidé qui fait mon entraînement, mais il m'a donné des conseils supplémentaires. Après, sur la gestion, sur le mental, du coup, il y a beaucoup. Et voilà, je pense que c'est un peu de famille le chrono aujourd'hui. Et on salue Hervé Loire, adjoint au sport, à la municipalité de Poumonvin, remerciant l'accueil municipal. Stéphane, un petit mot pour souligner la belle performance de ce jeune homme sur les routes que tu connais bien, puisqu'on va en direction de l'hôtellerie de Pointe-Saint-Mathieu, et un parcours qui était loin d'être évident lorsqu'on pratique ces routes quotidiennement. Quand on pratique ces routes, on s'aperçoit que c'est pas si évident que ça, même si la route est bien droite, et ben, y a un petit dénivelé, et il y a souvent le vent aussi qui est un facteur important dans cette course. Et en tout cas, je voudrais féliciter les compétiteurs et puis le vainqueur, parce que vraiment, j'ai été impressionné par le niveau qu'il y avait sur cette course-là. Et puis en tout cas, chapeau et remercie également la COPAG et l'ACP de Poumonvin, ainsi que tous les partenaires qui ont participé à cette manifestation, parce que c'était vraiment pour une première, une réussite, et j'espère qu'on renouvellera cette expérience et cette édition. En tout cas, bravo à toi et toutes mes félicitations pour cette première à Poumonvin. Merci Stéphane, on peut l'applaudir encore très très fort.
quelques jours, c'est vrai qu'on a vu que cette spirale positive qui a été la tienne, sortir au bon moment, vous étiez 29. Est-ce que tu n'as pas senti justement, lorsque vous étiez 29 à l'avant, que vous étiez un petit peu trop nombreux? Si, on était beaucoup, c'est pour ça qu'il y en a 4 ou 5 qui sont sortis et moi je suis revenu en contre avec mon sergent et Benoît. Belle performance de Maxime que vous pouvez saluer une fois encore, madame, monsieur, Maxime, mon sergent. Maxime, viens là, quelques instants. Maxime, c'est vrai que tu as vu que cette épreuve un petit peu de loin, on a vu que tu étais dans le bon coup aujourd'hui sur l'ensemble de l'ambition générale. Comment était la forme, comment était l'état de forme au début de cette journée? Voilà, je savais que j'allais être un peu juste pour le chrono ce matin parce que j'ai repris il n'y a pas longtemps. Et après voilà, c'était une belle course cet après-midi. Après c'est regrettable d'avoir 30 hommes en tête et que 10 à rouler. Jusque dans le final où voilà, le vainqueur a bien joué sa carte et gagne correctement puisque derrière ça se regarde, ça laisse tout le temps rouler les mêmes et au final voilà, on se fait avoir et on fait pas d'eau. Légèrement déception quand même, on lit dans tes propos que sur la route à celle de l'an passé, une course qui a été gérée par 29 courants mais générée différemment par les uns et les autres. Ouais, c'est sûr qu'on s'est retrouvé à 29, qu'on a rejoint un groupe et puis il y avait quelques mecs qui passaient pas, d'autres qui passaient, donc après ça s'est fait à la pédale sur la fin et on a vu le résultat, ça a commencé à casser et puis voilà, après on s'est fait un peu avoir sur la fin, mais c'est comme ça. On disait avec Maxime, présent sur les grands rendez-vous, comme tu l'as été également en matière de cyclocross, Maxime donnait rendez-vous sur les championnats de France sur route. Est-ce que ça sera peut-être également ton ambition de la saison? Ouais, c'est sûr que lors Junior 2, j'espère faire une belle saison. J'ai quelques objectifs en tête et ouais, on verra ça plus tard, mais j'ai envie de faire une bonne saison route. Alors, on va pas écouter aux portes, mais s'il y avait l'objectif principal, ça serait lequel? Personne n'écoute. Juste, on est 4 à écouter. Ça serait lequel, l'objectif principal? Voilà, un championnat de Bretagne, bien sûr, que l'UDIAC veut qu'on ait le maillot, donc on va tout faire pour que ce soit un gars d'UDIAC qui gagne. Bon, après, ça allait, j'avais pas de mauvaises jambes, donc je voulais aller au bout. L'ambition d'aller au bout, un circuit que tu as découvert, que tu qualifierais comment? Est-ce que c'est ce circuit qui t'a marqué? Quels endroits en particulier t'as marqué? Ce circuit, on l'a fait 2 fois, donc ça allait, mais sinon, c'est vrai que c'était. Après, il y a des grimpeurs qui sont assez durs. Puis après, on passe près de la mer, donc c'est toujours bien. Ah voilà, un petit peu de tourisme. Justement, il y a Stéphane Corr qui t'invite en pension complète chez lui pendant une semaine. Voilà, c'est ça, Stéphane, tu le confirmais. On demandera ultérieurement. On va avoir Monsieur Blonven qui t'invite également, mais ça sera dans votre destinée. Vous allez vous arranger hein, tous les deux pour recevoir. Ça sera pendant 15 jours. Et c'est bien que nous félicitons, que nous applaudissons très très fort. C'était le duel. On poursuit. Poto, t'as l'air d'avoir mal aux jambes. Nous, un petit peu, c'est vrai que ça a été difficile. On vous a vu à la manœuvre, les hommes de Lucien Rennes. Il y avait des consignes certainement particulières aujourd'hui. Ouais, évidemment, j'étais placé par rapport au contre-la-montre. Donc j'avais mes ambitions au niveau du général, après il y avait Guérande qui avait largement ses ambitions aussi au niveau de l'étape et puisque les temps étaient dans un bon char de poche, s'il gagnait l'étape, si Guérande avait les moyens de gagner l'étape, en étant à l'avant, il pouvait aussi gagner le général. Quoi. Donc on se plaçait au général, donc je crois qu'il remonte 4 au général, un truc du genre, donc c'est pas trop mal. Et c'est pas avec un problème mécanique. Bon je le félicite quand même parce qu'il fait une belle course et merci au public et je suis vraiment content de gagner ici. Eh ben dis donc, magnifique et content de gagner ici. C'est vrai que c'est un circuit que tu connais, c'est des routes que tu connais un petit peu pour t'y être entraîné fréquemment notamment. Ça fait plaisir que de gagner, on dit pas sur ces terres mais pratiquement. Ouais c'est vrai, après que l'année dernière je passe pas très loin non plus, je suis en haut de la carrière, je casse mon câble de derrière et puis je finis sur tout à droite. Bon c'est comme ça, j'ai pris ma avance aujourd'hui et puis je suis vraiment content. À la pédale et avec beaucoup d'à propos sur cette nouvelle édition. À nouveau, vos applaudissements à Gauthier Martens. On va inviter donc à venir nous rejoindre.